Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons la France et dans lequel nous avons l'objectif de conquérir l'entièreté de l'Afrique. Ça a bien avancé, c'est pas mal avancé, on a dû passer un ou deux épisodes à faire baisser l'infamie, pas trop le choix. Ça fait 50 ans pile qu'on a commencé la partie in-game, hein, et on a 50 ans pour conquérir le reste. Le Portugal a changé de couleur. Ah, c'est devenu une république. Ok. Alors, on veut reprendre ce petit territoire-là qu'a pris la Russie. Mais... il est allié avec pas mal de monde. Donc on va attendre d'avoir vraiment la famille à zéro. On récupérera des territoires à ceux qui pourraient venir nous embêter. On peut faire un gratte-ciel à Paris. Non, c'est pas ça. Ah si, Île-de-France. Donc on va faire un gratte-ciel. Alors, oui, c'est débile. Il y a un bug. C'est pas normal. Enfin, une fois qu'il est construit, on peut pas en faire plus. Mais on peut en faire plein. Donc ça donne plus de... plus 25% de capacité des productions des bâtiments de type administration gouvernementale. C'est une débilité. Et oui, vous allez voir. Ça compte dans le calcul. Je vais en mettre 10. Je peux en faire plus, faut pas non plus déconner. Ça a été remonté, ça, déjà, il y a un temps. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont le régler ou quoi. Parce que tu peux le faire à la construction, mais tu peux pas le faire après. Ouais, c'est un délire. Hein. C'est un sacré délire. Alors... juste... être sûr que vous entendez pas la musique en parallèle. Peut-être un pouya, mais pas trop. Bah, si je me fais strike, ce sera bien fait pour moi. Bien militaire coûteux, opium. Je peux en faire. Ouais! Encore une! Je peux faire une plantation! Ah, par contre, j'ai du plomb ici, c'est bien. Que j'utiliserai volontiers. Fais l'accès au marché, où ça? En Armagnac. Oui, c'est normal, c'est en construction. Oh merde, j'ai plus du tout de... Ah, j'ai plus du tout de sans-emploi. Ouah, plus de sans-emploi, plus de paysans. L'expédition menée par Michel Bouvier a été couronnée de succès. Le tracé du Niger est maintenant défini et complet. C'est bien, mais bah, j'ai toujours rien à exposer, c'est con. Hein. On va faire une expédition sur le Nil. On va renvoyer Michel. Vu qu'apparemment il s'y connaît en exploration, Michel. Plus 50% d'opportunités lors des explorations. Attends, quoi? Il est en double? Ok, non, d'accord. Hop, ok. Bon, ça me coûte... Ah oui, il y a ça aussi qui me coûte... budget d'une expédition, 150 000! Et les mecs, il y a la majorité des pays du monde, ils ont même pas le ce PIB là. Hein. Les membres du comité de l'exposition ont suggéré... que les éléments de l'expédition soient mis en évidence dans le hall. Ok. En Molucques, ok, ça c'est... c'est ce niveau-là. Hein. Ah. Après quelques heures, bon, on débarque. Après, c'est un peu les mêmes histoires. Hein. Je vous fais pas l'affront de vous lire encore une fois, comme l'épisode d'avant. Voilà, une fois, c'est bien, mais pas plus. Sauf si vraiment c'est original. Que tu découvres. Ah, mon expédition était surpris en train de voler. Déjà ? Putain, c'est abusé. L'expédition vient à peine de commencer.
Ok, il veut, mais on est déjà une république, vous voulez pas quoi? Non, il n'y a pas. Tant que c'est pas du communisme, ça va. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi il y a un truc en Ibérie là? Ah, Catalogne révolution. Radicaliste, ah ouais, non, ouais d'accord. Attends. Attends. Fantoche de l'Italie? Mais c'est quoi la blague? Ouais. Deviens fantoche de moi, toi. Un scarabée dans l'oreille. L'expédition sera retardée, mais on avancera. Ok, bah toi peur, moi bah comme d'hab. Ah, comment ça elle est improductive? Ah, on consomme peut-être tout sur place. Ouais, c'est ça, on consomme tout sur place, grosso modo. Bon, bah c'est bien, c'est tant mieux. Ça veut dire que tout ce que je consomme et tout ce qui est produit est consommé. L'avantage du Panama était réussi. Ouais, on fera une offre appropriée. Hein. Un dirigeant local vous a demandé de payer un hongo supplémentaire. Une sorte de taxe pour passer sur son territoire. Ouais, on va pas la payer. Hein. On fout, il y a un risque, bah il y a un risque. L'expédition atteint un niveau de danger modéré et doit se montrer prudente. Ok. Alliance multilatérale, ok. Le Bhoutan, non, ça m'intéresse pas. On va prendre par contre Tripoli. Alors les sauvegardes, je le répète, mais ça me permet, entre autres, de pouvoir avoir des états de retour le jour où je ferai mon let's play narratif. Tripolitaine, Modène, Égypte. Ok, allez conquérir l'état. Que l'Égypte vienne, hein. Pas de problème. Sans trop envoyer Joseph Nancy défendre ici. Je crois que. Ouais, je peux recruter d'autres. Hop. Il est pas mal lui, hein. François Lagrange. Allez, c'est parti. Immobilisé, on va l'envoyer sur le front Tripoli. Australie du Sud, ouais. C'est bien si je m'entends bien avec l'Australie, moi. Modène ne soutient plus les Tripolitaines, ok. Ok. Alors ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Voilà. Ouais, ils ont pas mal de bataillons, mine de rien. François Lagrange, on va envoyer lui plutôt. Envoyer les deux en fait. Parce que je vais sûrement partir sur
Un débarquement. Ah bah c'est parfait! C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait! Je vais récupérer mon territoire ici. Je vais prendre un port de traité en Sinaï. Et je vais récupérer mon territoire là. Et peut-être un port de traité au niveau d'Ingri. L'Empire ottoman. Oh, vous allez vous calmer un peu là. En Moldavie, ouais, ok. Gouvernementaux coûteux, oui, bah comme d'hab. Attends, il y en a un autre là qui a. Oh oui. De toute façon, ils vont se ruiner avant moi. J'ai encore un palier de taxes, en vrai. Regardez, hop là! Voilà. C'est magique. Ok, alors. Au niveau des objectifs, on va rajouter. Conquérir. Le Sahara ici. Sept, voilà. Port de traité. Port de traité de Sinaï, il est là. 1,9. Port de traité d'Ingri. Voilà. On va pas abuser, on va pas non plus annexer l'Égypte de suite, faut pas déconner. Je vais le mettre en défense ici. On va demander libérer le pays. On va libérer. Petite astuce. Libérer l'Ukraine. Il va perdre facilement un quart de son PIB, de ses habitants, c'est fou. Et là, il nous fera plus chier. Libérer le pays. L'Égypte, on va lui demander de libérer. Ouais, l'Israël. On va demander des réparations de guerre à eux. Et normalement, on est pas mal. En infamie, je dois pas être trop élevé. 34 en 5, ça va. Hop, là, on va changer, on va se mettre en défensif. Tac. Je veux quand même en rajouter un au sud de l'Égypte. Tu dois avoir plus de troupes que ça. Hein. En Occitanie, j'en ai. Ah, c'est tout? Ok. Je vais lever un autre général en Occitanie. Thierry Gros ou Alphonse Georget. Lui, il est mieux. Il est réservé, mais c'est bien. Il a de bonnes stats. Promouvoir 40. On va repromouvoir un coup. Hop, mobiliser. Et on va le remettre en défense là-bas. Et on va préparer une invasion navale en ligne. Bref. On a Adolphe Kovry qui n'attend que ça. L'Empire Ottoman, on s'en fiche, on va pas lui demander de réparation. Mule perdue. Légèrement retardé, ça va. On améliore nos relations avec. Shogunat japonais, ouais, mais Shogunat japonais, l'Italie, il me saoule plus qu'autre chose. Ils veulent absolument dégrader nos relations. Bah. Qu'ils le fassent, qu'ils viennent essayer de m'embêter s'ils veulent.
En face minus. C'est vrai que j'ai le Brésil qui vient m'aider aussi. S'il n'est pas déjà pris de son côté. Non, ça a l'air de... Impeccable. Alors. On va se tenter un petit débarquement là, invasion navale en Ingrie. On sera intercepté par 22 péons. C'est pas énorme, donc oui, c'est bien. On va y François Lagrange. Et là, il va peut-être vouloir même prendre. Voilà l'attaque. On a 90 en défense, on dit c'est pas beaucoup, mais on a les tranchées, on a énormément de technologie en fait. Là c'est un peu pareil, bon là j'ai du déplacement, on est un petit peu en négatif, mais... Caragouy, non. Pardon? J'ai 154 de défense, il y a 43 d'attaque, et je vois que je baisse un peu plus rapidement que lui. Ouais, il y en a mais 40 presque, allez, ça. Ouais, c'est pareil, hein. 147 de défense, 34 d'attaque, voilà, il se prend une violente branlée parce qu'en plus il est en... Il est en infériorité numérique. D'ailleurs, au niveau des fronts, on va regarder leur source d'approvisionnement. Quoi? Il vient pas full à terre quand même. Si? Il n'y a pas de route d'approvisionnement? C'est la blague? Ah si, je préfère. Ah, tel quel qu'on voit, voilà. Vu du ciel, le niveau d'architecture français est inégalé. Vous allez voir, c'est un peu débile, mais... Je vais bien avoir 10 gratte-ciel. Hein. Faire un centre commercial. Plus 25 volumes des routes commerciales, ça n'a pas de sens. Et là, comme je disais, je peux pas la augmenter. Ouais, non mais c'est bizarre. Faut pas chercher à comprendre. Il y a des choses, des fois... Ok, on est en route pour 3 jours. Par les forces, très bien. Est-ce que je l'ai perdu là au final? Ouais, je vais l'avoir perdu. 40 contre 17, ouais, tu m'étonnes. Je sais pas comment j'ai réussi à la perdre. Hein. Je sais pas pourquoi 40 sur 17. Il a encore perdu sa femme lui, hein. C'est fou. Hein. Il part deux fois en expédition, des fois sa femme le va voir quelqu'un d'autre. Hein. Oh. Il y a vraiment quelque chose. Ouais, je perds un mini morceau de terrain, c'est pas très très grave en soi. Là j'ai un bonus du fait de la technologie que j'ai recherchée la dernière fois, navire de débarquement. Et là je me tape pas le malus, enfin j'ai un moins gros malus de débarquement quoi. J'ai même pas l'impression de le voir en vrai. Voilà, là on va prendre sa capitale direct, le but sera juste de la tenir et il va très très vite abandonner lui. On va repousser un coup pour bien la conquérir. Par contre, je vois que j'ai perdu énormément là. Bon. On va essayer d'avancer. J'ai l'impression en fait que c'est ce morceau de territoire que j'ai perdu qui me fait énormément baisser là. Vraiment pas de bol. Ok, la Prusse. Ouais, révolution, voilà. Lui, tant qu'il revient pas à envoyer de troupes, bah il l'aura dans le baba. Là, il faut absolument que j'arrive à reconquérir ça. Qui me fait baisser mes... Je sais plus comment ça s'appelle. Ça là. Le soutien. Ça devrait passer. Sur une alimentation stable. Je gagne 4000 de turbine à vapeur et je le débloque de suite. Ok, alors la question maintenant c'est si je passe à vapeur, est-ce que j'ai assez de charbon? Très certainement non. Ah bah si! Comment ça se fait? Ah ouais! À substituer, ça me produit en
C'est débile. Ah, c'est génial. Ce qui fait que je vais pouvoir changer la méthode de production ou pas? Non. C'est pas grave. Ok, là ça bouge pas. Là. Là, on va gagner. Oui, effectivement, faut que je recherche une nouvelle techno maintenant. On va partir là-dessus. Sur ça, les automatiques. Ok, on a repris notre territoire là. Non, c'est pas ça que je voulais faire, excuse. Reviens. On se remet en défense. Voilà, et on devrait moins perdre au niveau du soutien. Là, il fait revenir pas mal de troupes. Va falloir qu'on passe en défense juste pour tenir. Là, ce qui fait qu'on a en supériorité numérique. Rhinocéros apparu. Ah, nous allons chasser. Si on a la corne. Ça nous aidera à le mettre dans l'exposition. Ah, on a 50 corne trophée. Enfin, on a quelque chose. Attends, faut gagner l'expédition. Enfin, faut revenir de l'expédition. Donc, on a pas mal conquis. On va vite faire passer ça en défense. Selon on en a fait des numériques. Ok, on s'en suivra en Italie. Bon, les Italiens vont vous saouler. Conformément à la législation de la France, c'est tout à fait légal. Voilà, tout le monde est content. Études géographiques, c'est une bonne idée. Plus 10 innovations. Ok, ça c'est bien. Là on tient, il va plus pouvoir, enfin j'espère que normalement il devrait plus prendre du territoire gratuitement. Ouais. En positif par rapport à tout à l'heure. On tient. Oui, ils prennent cher, c'est le principal. Eux, ils vont abandonner au bout d'un moment, vu qu'on a rien, on leur demande rien. On peut passer en taxe normale. Hein. Non, c'est bien. Hop. On taxe un petit peu baissé, je veux dire. On va rejeter des choses dans la file de construction. Quoi? C'est la bonne question. Du vin. Ah, du vin. Alors là, le vin, on a besoin. On va faire deux voies ferrées. Et on va faire full ici. Ok, en Bretagne, on va faire pareil. Je suppose que. Oh non, niveau voie ferrée, je suis bon. Ici, on va faire du vent aussi. Hein. Ouais, on va avoir besoin de voie ferrée. Voilà. Là, on tient. 357, même s'il gagne, j'espère qu'il devrait pas trop reprendre de territoire. Je me fais piller ma route d'approvisionnement? Ah non, même pas, ils ont commencé avec un moral pas ouf. Moi, ça peut arriver.
vente commerciale. Productive. Ah ouais, le bois que j'importais. Comme ça, j'en importais un paquet en plus. Hein. Je vais en béton disponible. Ouais, ça va, ça va, ça va. Ça va. J'en importe toujours de quelque part? Ah d'accord, ça c'est pas recalculé. C'est du marché si à moi, ok. Ils sont beaucoup là. Ils sont beaucoup. Mais c'est trop tard les gars, c'est trop tard pour eux. Ça c'est quoi ça? Non. J'ai pas le temps. Kundimaraka. Kundimaraka, ok. Venezuela. Là on est toujours bien. Il attaque même plus ici. Hein. Même là, je pense que je peux prendre le devant. Que des Égyptiens. Voilà, l'approvisionnement là, il est... Ah non, même pas, c'est juste le moral, ok. Très bien, ça me va. Allez, allez. Voilà, il est à moins 10 là. Même l'Empire Ottoman là, l'Egypte. Ah non, l'Egypte. L'Egypte, il commence à dire, ouais, non, c'est sympa en fait. Hop, on met tout, on va voir à combien ils sont. Moins 259. Mais toi, t'as plus ta capitale, hein, je suis en train de... Enfin, je te rappelle. Hein. Donc, fais pas le malin. Il attaque plus, hein. Il ose plus. Hein, quelqu'un qui va l'aider? L'Egypte, ok. C'est bien, on voit tout le monde sur le front, j'aurais juste à faire un petit débarquement là et puis pépère. Enfin, comme d'hab quoi. Attirer un endroit et prendre de l'autre. On va la chier, c'est en Autriche. Enfin non, c'est au sud de l'Autriche, pardon. Ah, il continue, hein, il essaye. Hein. En même temps, tu m'étonnes hein, en étant 5 fois plus. Mais. 198 de défense contre 28 d'attaque. Ouais. Ça passera pas. Hein. Très peu de pertes. Lui, on a un paquet. On fait un ratio de 1 pour 20. Par contre, il veut toujours pas. Ouais, non? La porteuse du Suez, c'est fait. On ira chercher hein, nous-mêmes, t'inquiète pas. Qu'elle était en finale. Ouais, j'irai chercher, hein, t'inquiète pas. Ok. Est-ce que je pourrais pas déplacer celui-là? Je vais mobiliser un petit peu là les petites troupes. Leur but, ça va vraiment être de garder. Cette frontière, je vais tenter un débarquement avec A. Ah. Avec Vincent Pourtalès. Oh, il essaie quand même, hein, des fois.
Branler. J'ai rien d'autre à dire. Faire l'action marché. Ouais, la Loire. Ah. Ah oui, j'ai oublié de faire des chemins de fer. Ah non, même pas, c'est en train de se faire, ok ça. Allez, on commence à pousser là. Je sais pas si ça va passer, on va regarder. Non, ça m'embêterait, ça ferait des pertes pour rien en vrai. Et là, ça veut pas tomber, hein. Je sais pas ce qu'il a, ils veulent pas. Même l'Empire Ottoman. Ouais, les Ottomans ils sont barrés, non? Ah non. Ok, dysenterie, on va se reposer. Je peux tenter. Ok, l'Empire, si voilà, l'Empire Ottoman, il a arrêté. Et l'a envoyé Vincent pour Pourparlès. Je vais envoyer Thierry Gros. Il est où? Il doit être là, lui. Est-ce que ça tient? Forte infériorité numérique, hein, là, y'a pas photo. C'était peut-être un petit peu trop là quand même. Pétition générale. C'est pas le moment de licencier des pions. Ok, je vais peut-être perdre celle-là quand même. Ça aurait été une belle défense. Hein. On va changer, on va aller défendre là-bas. Et on va plus envoyer ces petits groupes ici. C'est quand tu veux que t'abandonnes toi. Même l'Empire Ottoman est parti avant. Je sais pas si t'as bien capté le principe, mais. Ouais, il aurait eu énormément de pertes quand même. Je vais perdre, mais rien. Oh la vache. Et pourtant, l'infériorité numérique est présente. Ok, on a l'Égypte là qui intercepte, mais. Ils vont pas intercepter grand chose, ils vont intercepter un point dans la tronche. Voilà. Et là, on est là. On a fait tomber leur capitale, il me semble. Est-ce que le Caire est vraiment tombé? Ouais, le Caire est tombé. Allez. Oh oui, même bien tombé. Toute la vallée du Nil, là, une bonne partie de la vallée du Nil. Quel front qui s'est ouvert là? Pourquoi ils sont là? Pourquoi il est venu là lui? D'où est-ce qu'il vient? Il vient de là? Comment il est arrivé là? Ok. Jour là, il faut pas qu'il reprenne trop. Ok, il reprend pas des masses à la fois. Ok. Il me faut Tripoli maintenant. Ça m'embête un petit peu par contre d'avoir deux fronts ouverts, je sais pas vous mentir. J'ai beaucoup de fronts ouverts mais j'ai pas grand monde pour les pour les défendre. Putain, j'ai deux capitales qui sont tombées là en face quand même.
peut pas beaucoup mieux faire. Hein. J'ai pas des troupes que je peux lever quelque part. Hein. Non. Là, pourtant, je la joue d'une main de maître. Enfin, je vais pas faire beaucoup mieux. Hein. J'ai deux capitales tombées. Hein. Les gars, vous vous rendez compte de... Enfin, c'est énorme, là, ce que je viens de faire, mais... Mais ça veut pas. On va essayer autre chose, alors on va essayer de faire un débarquement à Tripoli, prendre sa capitale, qui est je sais pas où. En espérant garder un seul et unique front ici. Bon. Sa capitale, elle est où? T'es où? Benghazi, allez, on va essayer de faire un débarquement ici. Invasion navale en Libye. Avec Vincent dans son forteresse. Elle va reconquérir. Ouais. Tant qu'il ne reconquérit pas ses capitales, ça me va, mais j'ai peur qu'il le fasse. Ok. Ok. Bon, j'ai libéré l'Israël. Il est découpé en deux en plus. Bon. Lui, il n'abandonne pas, hein, par contre. Ça me... Toi. Non. François Lagrange, t'es où? T'es là-bas. Toi, t'es là. Ok, très bien. Vous tous, là, vous allez défendre. Non, même toi, tu vas reprendre du terrain. Faut pas déconner. Le reste, ouais, défendez, c'est bien. Personne va là-bas, on est d'accord. Ça va. Tout le monde reste sur le point. Idéologie féministe. Parfait. Parti radical. Ok, on va juste faire attention. De toute façon, 3, ouais, il est tout seul, mais c'est toujours mieux. C'est pas que je veux pas, hein, mais je peux pas. On peut faire des constructions également. Ah, on a besoin d'usines chimiques, ok. On va faire des engrais améliorés. Hein. 3000 d'engrais, c'est bien. Ça me consomme un pouillet de plus de fer, c'est pas très très grave. Suez, ah oui, c'est vrai qu'on a Suez maintenant. Voilà, comment on va le chercher, le canal du Panama. Eh. Ah, je vous dis, les mecs, hein, on va pas chercher loin, hein. Voilà. Il me faut. Ouah, le fer il est cher. Ah ouais, ouais, bon, on va faire du fer. Voilà. C'est en Bourgogne que je le fais? Ouais. On va en avoir besoin entre parents. L'acier est pas cher. L'acier est pas cher. Je peux en faire ici, ouais. Oui. On va faire une dizaine là, d'acier de mine de fer. Voilà. Et on va essayer d'en finir là. Alors j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Je sais que la vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude, mais je vais essayer quand même de prendre Tripoli. Hein. Je vais pas vous laisser sur votre faim. Ok, on a la réparation, les ports de guerre, on a libéré l'Ukraine. Alors là vous allez voir. Si je vais juste dans information, population. On y revient juste après. Je prends ça ou je prends ça? Ouais, ça c'est plus fort. Voilà, population, 53 millions. Zoup! Ils étaient à 70 millions. On leur retire 17 millions. À peu près, je crois. 16 millions, allez hop. Voilà. C'est comme ça qu'on fait ici. Et lui, il a plus rien pour se défendre. Et le temps que ça a duré, en plus, mon famille a dû un peu baisser. Oui. Hop, tout le monde dedans. Tac, tac, tac. Voilà. On finit ça en beauté, faut pas déconner.
Ah, toujours pareil, non, tes inquiétudes ne sont pas justifiées. Expire dans 8 semaines. Ah bah. On va attendre de la grande exposition, nous n'avons rien exposé. Hein. Bah, normalement, j'ai. Une corne de rhinocéros, mais qui est encore dans le Nil. Alors, on fait comme on peut avec ce qu'on a, hein, les gars. Ouais, bon, là, ça va aller vite. Même si leur capitale est là, ça va conquérir assez vite. Hop là. Je suis quand même à moins 8,5, hein. Ça a été compliqué. Hein. Oups, j'ai pas cliqué où il fallait. Des outils. Des outils, j'en exporte. Ouais, j'ai de la marge. Allez, you can do it. Merveilleux, tout simplement merveilleux, ouais. Bon, c'était pas ouf, j'ai rien exposé. Mais pourquoi c'est bloqué à 4% ça? Je pars en pause hein. Ah, il y a 7 pions qui m'ont kikiné quoi. Voilà. Ah j'ai fait une erreur en plus. Oh j'ai fait une erreur dit. Bon bah, c'est pas grave, c'est ma faute. J'ai conquis ça au lieu de prendre la. Au lieu de les subjuguer. Oh, ça fait un plus gros écrit là, c'est écrit un plus gros quoi, France. Oh putain. Ça je m'en veux. Mais bon, on a réussi à s'en sortir quand même, c'était pas gagné. Je comprends maintenant pourquoi j'avais un peu plus d'infamie que ce que j'avais calculé. On a, pour un récap, hein, on a le canal de Suez. On a libéré la Israël qui est déjà en révolution. Putain. On a pris Tripoli. On a libéré l'Ukraine. On a pris le port de Kronstadt. Je peux pas encore parler, c'est normal. On a un port surtout, voilà. Des réparations, etc. C'est plutôt pas dégueu. Combien de réparations? 20 000, voilà. C'est toujours ça à prendre. Voilà, donc je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain. Je vous dis à la prochaine. C'était Thiob. Ciao.